Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Toi aussi? Ça va, merci. Ça va? Oui, ça fait longtemps. Ah, le camp d'ado, oui, ça remonte à il y a quelques années quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devenez? Bah, tu vois, je travaille ici, à la BFM. Je m'occupe du fonds DVD, fiction et documentaire. D'accord, ça doit être génial ça. Bah, oui, c'est bien, c'est pas mal. As-tu un peu de temps à m'accorder pour... que tu puisses m'expliquer en quoi consiste ton métier? Le métier? Ah oui, bien sûr, pas de problème. Écoute, dans 5 minutes, là, je termine de classer et si tu veux, on se retrouve au jardin d'hiver. D'accord. Et j'aurai un peu de temps et je pourrai t'expliquer tout ça. Ben, je t'attends là-bas. D'accord? À tout à l'heure. Ok, à tout de suite. Coucou. Ah, te voilà. Bien installé. Oui, ben, je bouquinais un petit peu. Tu regardes... Cheval pratique. Bon, c'est un bon début. Voilà. Ok. Tu voulais savoir, en fait, comment... quel est le parcours à suivre pour pouvoir travailler en bibliothèque? C'est bien ça. D'accord. Alors, moi, je vais te raconter ce que j'ai fait, moi. Donc, moi, je suis assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Oh là 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 là, ça en fait compliqué. Des choses. Hein. Donc j'ai commencé à Vaubreuil, je m'occupais du fonds cinéma. Alors à l'époque c'était des cassettes. Ah, les bonnes vieilles cassettes. Voilà, ah, les là cassettes là. VHS qui prenaient beaucoup de place. Oh, oui. Il n'y en a plus. Et ensuite, il y a plus de 20 ans, puisque la bibliothèque a ouvert il y a 20 ans, il y a eu le projet de construction de la BFM. Et j'ai postulé pour pouvoir travailler sur la constitution du fonds cinéma de la nouvelle BFM. D'accord. Et voilà. Et donc, on a ouvert avec des cassettes, toujours VHS. Et au fur et à mesure, on a remplacé les VHS par des DVD. D'accord. J'ai préparé un CAFB. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Mmh. Alors, c'était il y a assez longtemps. La première année, j'ai fait option lecture publique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les livres. D'accord. Et la deuxième année, j'ai fait une option image, ce qui m'a permis de travailler sur un fonds, ce qui me permet toujours aujourd'hui de travailler sur un fonds cinéma. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le CAFB n'existe plus. D'accord. Voilà. Alors, tu as deux possibilités. En fait, tu as deux concours. C'est-à-dire, tu as le concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques. C'est quoi la différence entre les deux? C'est une différence au niveau des diplômes. C'est-à-dire que assistant, c'est niveau bac. D'accord. Et assistant principal, c'est bac plus 2. C'est-à-dire que tu dois justifier d'un diplôme technico-professionnel dans des disciplines qui sont demandées pour le concours, alors soit bibliothèque, soit si tu te destines à travailler dans des archives, un musée ou dans des centres de documentation. D'accord. D'accord. Il faut juste savoir, ça je pense que ça peut être intéressant pour toi, l'Université de Limoges propose une licence pro. Des métiers de la culture avec une option bibliothèque. Et avec cette licence pro, tu peux passer le concours. Ah, donc tu as tout sur place ici pour pouvoir préparer. Ah bah oui. Ça m'a l'air en plus vachement intéressant tout ça. Moi j'ai commencé il y a 27 ans, je crois. Il va y avoir 27 ans, je ne sais plus. Les années passent. Je ne peux pas savoir à ta place. Hein. Voilà. J'ai commencé à Vaubreuil. Ouais. Moi, j'ai été recrutée, étant donné que j'avais le CAFB, j'ai été recrutée sur entretien à l'époque. Donc, je suis fonctionnaire territoriale et mon employeur, c'est la ville de Limoges. D'accord. D'accord, je suis payée par la ville de Limoges. Les concours, tu sais que dans la fonction territoriale d'État ou la fonction d'État ou fonction territoriale, tu as des grades, c'est-à-dire tu as catégorie A, B, C. Donc assistant ou assistant principal de conservation, on est considéré comme des catégories B. On est des D'accord. catégories B de la fonction publique territoriale.
Bon, écoute, moi là, il faut que j'y retourne. Si tu veux, je peux te montrer un petit peu les à côté du métier, les coulisses. Ça m'intéresserait bien ça. Tu veux venir voir? Ouais. Allez, on y va. Alors, tu vois, la bibliothèque a été construite sur le site de l'ancien hôpital. L'architecte a gardé une partie de l'ancien bâtiment et l'a raccroché à la construction nouvelle via le jardin d'hiver. Ensuite, au rez-de-chaussée, tu peux voir là-bas la banque de prêt-retour. Mmh. Puis, plutôt sur ta droite, les fictions, à gauche, les documentaires. Et juste en face de toi, la mosaïque, qui a été découverte au moment des fouilles, lorsque l'on a fait les fouilles juste avant la construction. À l'étage, là-haut à droite, c'est l'espace jeunesse, puis les bandes dessinées, la musique, les livres d'art, l'artothèque et la vidéothèque. Et puis, quand tu repartiras tout à l'heure, tu as la tapisserie de Rachid Koraïchi. D'accord. D'accord ? On va dans le bureau ? Allez. Alors, tu vois, c'est dans cet espace que travaillent tous les assistants de conservation du pôle art, en sachant que l'espace cinéma fait partie du pôle art. Donc voilà, mon bureau est là. Tu vas t'asseoir à côté de moi et je vais te montrer comment les DVD arrivent dans les bacs. Alors, dans un premier temps, il faut les acheter. Nous les achetons auprès de sociétés qui négocie les droits auprès des producteurs et des diffuseurs pour pouvoir les prêter gratuitement aux lecteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, bibliothèques, aller dans un supermarché, faire nos courses et mettre les DVD à disposition du public. Ça, c'est interdit. D'accord ? Alors, nous passons notre commande, les documents arrivent, ils sont stockés sur une étagère derrière toi. Ensuite, nous les cataloguons. Qu'est-ce qu'un catalogage ? Alors, le catalogage, c'est créer en fait une fiche d'identité du document. Donc, sur le logiciel de gestion de la bibliothèque, nous allons rentrer l'auteur, le titre, la durée du film, s'il est en couleur ou en noir et blanc, pour les livres, s'il y a des illustrations, le nombre de pages. Pour les fictions, le genre cinématographique, si c'est un western, une comédie dramatique, si c'est un film d'horreur ou un mélo. Et pour les documentaires, un mot matière qui va déterminer le sujet abordé dans le film. D'accord ? D'accord. Alors, je vais te montrer. Donc ça, c'est un DVD que j'ai catalogué il y a pas très longtemps. Donc c'est un documentaire. Donc, j'ai, lors de la création de la fiche d'identité, ce que je t'expliquais tout à l'heure, j'ai mis un mot matière. C'est un documentaire qui se passe en Irlande sur les pêcheurs. Donc, j'ai dû mettre pêche, Irlande, quelque chose comme ça, en mot matière. D'accord ? Ce qui permet de faire des recherches. Une fois le document catalogué, il part à l'équipement. Et quand il revient, eh bien, voilà à quoi il ressemble. Donc, tu as ici la cote qui permet de ranger et de retrouver le document, le logo de la bibliothèque. Là, on a spécifié version originale. Ensuite, le code barre qui permet de prêter et de rendre le document. Et enfin, le DVD est équipé d'un antivol. D'accord. OK ? Voilà. Donc là, tu as le circuit du DVD à partir du moment où il est commandé jusqu'au moment où il arrive dans les bacs. D'accord. Voilà. Aussi, tu peux venir à l'accueil du public, il y a quelqu'un qui cherche un DVD. Ok, pas de problème, j'arrive. Tu viens avec moi, je vais te montrer comment on fait pour les renseignements. Voilà, je vais te montrer comment on procède lorsqu'on donne des renseignements au lecteur. D'accord. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Je recherche un petit renseignement. Je cherche un vieux film d'Alfred Hitchcock. Et c'est joué avec Grace Kelly. D'accord. Je crois que c'est le film que vous recherchez, c'est La main au collier. Oui. Avec Grace Kelly, le film se passe sur la Côte d'Azur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, nous l'avons, il est en magasin, disponible en magasin. Je vais vous le chercher. D'accord, je vous remercie.
Alors, Hitchcock est là et la main au collet, voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que ça fait partie, ça, des choses, quand on nous demande des renseignements, c'est un des volets du métier que j'aime bien. Quand les gens nous demandent de faire des recherches, qu'il faut essayer de se creuser, essayer de trouver des moyens pour trouver le bon document qui peut leur convenir. Ça fait partie des choses que l'on fait au quotidien qui sont assez intéressantes. D'accord. Voilà. Ce dont je voulais te parler aussi, c'est qu'on a vu le circuit du document. Alors, une fois que le document est arrivé dans les bacs, il faut aussi le promouvoir, il faut aussi le mettre en avant, le faire connaître. Donc, on a mis en place différents moyens pour pouvoir faire ça. Alors, nous ici, sur les DVD, on a fait des présentations par genre cinématographique. On fait aussi des présentations par thème. Alors ça peut être le cinéma chinois, ça peut être bientôt il va y avoir le cinéma d'animation puisque nous allons avoir tout un panel d'animations qui vont se dérouler à la bibliothèque avec des enfants qui vont monter des films. Et ça passe aussi par des projections de films. Alors des projections qui peuvent avoir lieu dans le petit auditorium. On a lancé depuis quelques années tout un travail avec l'AFPA, avec FEL, avec la mission locale également. Ce sont des gens qui viennent voir des films. On a une mallette réservée à cet effet et les gens viennent nous demandent des films de la mallette et viennent les voir à la bibliothèque. Nous participons aussi à des projections, par exemple, dans le grand auditorium. Cette année, il y a eu dans le cadre des 20 de la médiathèque une nuit cinéma. C'est oui, j'en ai entendu parler. Voilà, la thématique, c'était le vendredi 13. Donc tout ça, ce sont des volets importants aussi de notre profession. Mettre en avant les documents et les faire connaître. D'accord. Voilà. Bon, ben, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Non, justement, tout à l'heure, tu me parlais des avantages liés à ton métier. Et est-ce qu'il y a au moins une ou deux... Je sais pas, c'est un petit peu difficile, mais comme dans tous les métiers, tu as des avantages et évidemment des inconvénients. Alors je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est toujours un peu délicat. On peut dire que parfois, on a affaire à un public qui est un petit peu difficile, un petit peu... c'est pas toujours simple, les relations sont pas toujours simples, mais globalement, c'est très minime par rapport au nombre de gens qui sont plutôt sympas, qui viennent nous voir. Non, c'est plutôt... ça reste marginal, quoi. D'accord. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais là, il faut que je retourne classer. Tu as vu que le classement, c'est oui, important. Justement, je t'ai vu à l'œuvre quand j'étais croisée tout à l'heure. Voilà, donc là, j'y retourne parce qu'on essaie de classer au fur et à mesure pour pouvoir, pour pas que les choses s'entassent. Donc, je vais te raccompagner. Tu repasses si tu veux, si tu as besoin d'infos supplémentaires. Je sais maintenant où tu travailles, donc il n'y aura pas de soucis. Ça marche. Bon, je te fais la bise. Et puis à bientôt. D'accord, je te raccompagne. Je crois que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire.